Aféry, commune du département d'Akoupé. Ici, les populations rencontrent quelques difficultés, notamment dans le domaine de la santé. Le centre de santé de la commune souffre d'un manque d'ambulances. Appel entendu par Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Elle offre une ambulance médicalisée aux populations. Un don rendu possible grâce à certains partenaires au développement, parmi eux la BAD, Banque africaine de développement. Le besoin en ambulance, c'est un besoin extrêmement pressant. Et cette fois-ci, nous sommes passés à une étape supérieure. Cette ambulance est entièrement médicalisée. Nous espérons que petit à petit, nous allons pouvoir ainsi couvrir toute la Côte d'Ivoire. Une ambulance qui permettra d'offrir rapidement les premiers soins aux patients à bord de l'engin. Un geste apprécié par les populations, autorités locales, personnel médical, ainsi que le ministre Patrick Hachi, fils de la région. Souvent, on se trouve dans des contrées et des localités difficiles d'accès. Prendre déjà le malade en charge dès l'ambulance, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important, novateur et qui va apporter du bien. C'est un véritable soulagement d'entendre d'abord qu'il y a une ambulance qui pourrait être prévue pour Aféry. La voir physiquement, c'est un véritable soulagement, deux fois, et une satisfaction totale. L'État ivoirien a déjà reçu plus d'une vingtaine d'ambulances de la part des partenaires au développement.